Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur WRC 9, le quatrième épisode des bonus WRC. Et aujourd'hui on va refaire en soi la Citroën C3 WRC mais avec la livrée Pirelli. Alors évidemment, vu qu'on a déjà attention, vu qu'on a déjà conduit cette voiture dans l'épisode 2 au Pays de Galles, j'ai décidé de prendre une spéciale beaucoup plus courte en Sardaigne. Comme ça allait pas être trop redondant. Alors à ma grande surprise, j'ai vu que cette voiture, même si elle paraît extrêmement puissante, est largement pareille que... Enfin exactement pareille théoriquement que les WRC actuels. C'est-à-dire 1,2 tonne pour 380 chevaux. C'est vraiment surprenant quand on l'apprend de savoir ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est elle touche au moins les 400 voire 420 chevaux, comme par exemple la Porsche qu'on a testé il y a 2 jours en Allemagne, qui était une deux roues motrices et qui avait 400 chevaux, et qui elle vraiment avançait. Donc évidemment cette livrée n'est pas la livrée de l'écurie officielle. Je sais même pas si elle a vraiment existé cette livrée. Vous pourrez la retrouver dans la miniature, ou même vous allez voir. Enfin je vais essayer de voilà faire comme ça. Je ne pilote jamais comme ça. J'ai toujours l'impression de sous-virer. Mais c'est une livrée bien différente que celle officielle de 2018, notamment pilotée par Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Vous voyez qu'elle est quand même assez à l'aise hein, pour... Oh attention, il m'avait pas prévenu que ça tournait. Pour accélérer après des petits virages rapides. Dès qu'on la maîtrise à peu près cette voiture, c'est vraiment très plaisant. Mais évidemment, elle a tendance aussi pas mal à survirer. Ouah, et voilà. Et voilà l'ornière. Forcément, on va arriver au bout de cette spéciale. Je vous donne rendez-vous dans... Voilà, alors qu'on voit la livrée là. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour le dernier épisode avec la Polo WRC, je crois. Quelque chose comme ça. J'espère que cette série vous plaît, que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Yo tout le monde, à plus.